À la Duchère, l'immeuble 220 sera la dernière barre à être détruite dans le cadre du grand projet de ville entamé en 2006. Alors que le relogement des locataires s'est terminé en juillet, la phase préparatoire du chantier de démolition a commencé avec notamment l'installation d'une palissade et une modification de voirie. Le chantier devrait s'étaler de septembre à février 2010, date provisoirement retenue pour la démolition. Les explications d'Alain Pourtier, le directeur de l'OPAC du Rhône, au micro de Jean-Marc Roffa. Nous sommes dans la phase de préparation du chantier de démolition qui démarrera en septembre 2009. Plusieurs phases de travaux sont prévues. À partir de septembre, c'est ce qu'on va appeler la déconstruction sélective des matériaux de construction. L'ensemble des matériaux de construction vont être enlevés puisqu'il faut laisser le béton à nu. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de ces matériaux de construction seront recyclés. Puis après, une autre équipe enchaînera sur l'allée avec ce qu'on appelle la foration, puisqu'il va falloir faire des milliers de trous pour permettre d'installer les micro-charges, puisque la technique retenue pour la démolition est le foudroyage par explosif.